Je m'appelle Jean-Sébastien Lamontagne, je suis un étudiant en sténographie judiciaire. Je m'appelle Anastasia Bordakova, étudiante en sténographie judiciaire. Je suis traductrice de métier et j'ai travaillé comme interprète dans un interrogatoire où j'ai vu une sténographe judiciaire à l'œuvre. J'étais très intriguée par son travail. J'ai fait des recherches et j'ai découvert l'école. Et j'ai décidé de me lancer dans cette formation. De mon côté, en fait, j'étais à la recherche d'un nouvel emploi, d'une nouvelle direction pour ma carrière. Et puis, j'ai trouvé dans le journal, en fait, une annonce. Donc, je suis allé voir le site web. Et puis, à ce moment-là, je me suis dit, wow, c'est pour moi. Pour moi, c'est un métier exigeant et assez unique, qui correspondait un peu à mon profil professionnel. En tant que traductrice, déjà, je travaille beaucoup avec la langue. Et ça fait partie du métier de... L'édition fait partie du métier. Alors, c'est quelque chose qui me correspondait. Et comme de fait, en commençant la formation, ça s'est confirmé pour moi. Enfin, j'aime ça et c'est plutôt facile pour moi. Bien, en fait, moi, c'est vraiment en regardant le type de personnalité qu'il y avait au niveau des futurs scénographes. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont capables de prendre des notes, qui sont vraiment capables d'être vraiment rigoureux au niveau de justement du français, tout ça. Puis moi, je trouvais que ça m'appelait. La question aussi des salaires, qui était intéressant. Donc, je pense que ça m'a beaucoup motivé à appliquer. Pour moi, c'était un apprentissage d'un équilibre personnel parce que quand on écrit ce qu'on entend, il faut être parfaitement focusé sur les mots et on ne peut pas se permettre d'avoir une discussion dans la tête qui se déroule en parallèle. Alors, il faut être très zen. Et très concentré. Donc c'est un art de vivre peut-être, finalement, la sténo. Très bien dit.